Bonjour les enfants, c'est Anne-Florence. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de tout ce temps passé avec papa et maman, que l'école ne vous manque pas trop. Moi, j'ai hâte de vous revoir et en attendant, je vais vous lire une nouvelle histoire et j'ai donné à papa et maman des petits exercices à faire, comme quand on travaille en classe. Et puis, je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir une histoire racontée par la maîtresse. Alors, l'histoire, elle s'appelle Mon ballon. Mon ballon. Elle est écrite par Mario Ramos. Quand on rentrera à l'école, je vous en lirai d'autres de cet auteur. J'en ai plein, c'est des histoires très marrantes qui plaisent beaucoup aux enfants. Je vais regarder aussi. Mon ballon. Le petit chaperon rouge est très fier. Sa maman lui a offert un joli ballon rouge. Va le montrer à grand-mère. Elle sera très heureuse de te voir. Et tu lui diras bonjour de ma part. La petite fille s'enfonce dans la forêt et commence à chanter joyeusement. Promenons-nous dans les bois. Ah! Qui se promène aussi par là? Un renard? Un autobus? Une locomotive? Une, deux. Attention, fillette, laisse passer le champion, lance le lion. Bon, d'accord. Je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Ah! Qui est là? Un sanglier? Une armoire à glace? Un diplodocus? Bonjour, bel enfant. Ne marche pas sur les fleurs. Je fais un beau bouquet pour l'offrir à ma petite souris, dit l'éléphant. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était. Mais qu'est-ce que c'est? Un papillon? Une cathédrale? La tour Eiffel? Non, non, je vous en prie, pas d'autographe aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là incognito, dit la girafe. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais qu'est-ce que c'est? Un cheval? Un piano à queue? Un vaisseau spatial? Chut, pas de bruit. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me cache ici, chuchote le rhinocéros. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait comme le loup n'y est pas. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Un rossignol? Un tuyau d'arrosage? Un camion de pompier? Hé, la petite fille rouge, circulez, circulez! Vous faites fuir les crevettes, caquettent les flamants roses. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup n'y est pas, il nous mangera. Là! Une grande bouche pleine de dents. C'est lui, c'est le bzou, c'est le gros, zut alors, c'est le blanc Mélenchou, le grand Métambou. Le ballon s'envole dans les arbres. Bonjour petite, désolée, je ne voulais pas t'effrayer, je cherche la mer, dit le crocodile en lui rendant gentiment son ballon. D'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Oui, bien sûr que je suis là,
répond le loup en la dévorant des yeux. Pas de chasseur en vue, rien que toi et moi. Oh, quelle joie! On va bien se régaler, salive le loup. Et à ces mots, il se jette sur la petite. Pan! Mon ballon. Je veux mon ballon. Et voilà. Fin de l'histoire. Alors j'espère qu'elle vous a plu. J'ai laissé à papa et maman le texte pour qu'ils puissent vous raconter l'histoire encore. Et puis j'aimerais bien que vous regardiez plein de petites choses qu'il y a à apprendre dans cette histoire. Par exemple la chanson, par exemple tous les animaux qu'ils rencontrent, qu'elle rencontre, le petit chaperon rouge. Donc comme ça on en reparlera quand je vous retrouverai. J'espère à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis j'ai hâte de vous revoir vous tous. Je vous embrasse les enfants.